toilettes. Voilà, il y a toujours du papier cul, alors ça c'est étonnant. C'est étonnant. C'est étonnant. C'est propre, oui. C'est bien aménagé, toujours pareil. Il fait chaud ici, mon Dieu. Ouais, depuis hier, il fait chaud. Salut les évadés, bon, ça y est. Bonjour, bonjour. Ça y est, nous sommes arrivés à cette aire. Ouais, toujours auprès d'un lac. Près d'un lac, cette fois-ci. Là, c'est différent. Il n'y a pas grand monde non plus, c'est calme, c'est super calme. C'est agréable. Voilà, il y a deux personnes hein, avec nous, trois, c'est ça. Là, on a fait combien? 2 heures de route? 2h45. 2h45 de route. C'est une petite journée, donc comme ça, c'est cool. Il est midi. Et en plus, vous savez pas quoi, on s'est arrêté à Walmart. On est dans le Missouri. Et on a vu un rayon illuminé d'alcool. Ouais, il y avait de l'alcool. D'habitude, il n'y a pas de l'alcool dans ces magasins-là. C'est toujours des boutiques à part hein, pour l'alcool. Et, là, il y en avait. Et le prix était, il était plus raisonnable. Ah, ben ça va. Là, donc, c'était le prix. Donc, il y avait du whisky, de la bière, du rosé. Du rosé de Californie. On va goûter ça. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Du rhum, vodka. Tout, en fait. Hein. Vraiment tout. Et bien, on en a profité pour prendre 2 bouteilles. Ouais, voilà. On s'est dit merde, on n'a pas encore trinqué aux États-Unis. Alors, on s'est pris du rosé pour madame. Et moi aussi. Une petite bouteille de Californie, mais c'est des bouteilles de 2 litres. Hein. Ouais. Ça fait quoi, 1 litre 5, 2 litres. Et de la bière, voilà. Que le monsieur m'a conseillé. Voilà. Voilà, comme ça, c'est impeccable. Ça y est, on va pouvoir boire l'apéro, là. Allez, évadez. Ouais, ouh. Allez, sortez l'apéro. On fait l'apéro ensemble. Allez, on fait un live. On fait un live et on fait l'apéro ensemble. On fera l'apéro du midi et vous le soir, du coup. Voilà. Oui, parce que maintenant on a 7 heures d'écart depuis qu'on est arrivé là dans l'Illinois. On a encore 1 heure de. Putain, je vous montre un peu la vue encore. Voilà. Hop. Regardez-moi ça. Et nous on est là-bas. On a la table de pique-nique à côté. Ouais, et on n'a même pas besoin de sortir ni table, ni chaise, ni WC. Rien. Rien. Ça veut dire que là on se pose et. On se pose et juste à ouvrir les tentes. On ouvre les tentes et point barre, c'est tout. Voilà. Et demain on ferme les tentes, on repart. Voilà. Voilà, ah, c'est bien, c'est rapide. Et pour nous, pour les voyageurs et tout ça, le Walmart, vous avez un bon wifi. J'en ai profité pour charger la vidéo. Et bien ça va 5 fois plus vite que la Starlink. Alors j'en ai profité pour recharger 60% en 30 minutes. Alors qu'avec la Starlink, j'aurais fait peut-être 6 ou 7%. Donc, voilà. Donc, c'est bon à savoir si vous vous connectez en Wi-Fi, il faut s'inscrire et puis c'est tout. Ah, ok. Good morning. We are French et I speak English. Yeah, a little bit. I was going to paint it. Cette place? Yeah. Ah. D'accord, ok. So if you just move to the next one or something. Ah, ok. Okay. On peut aller sur une autre. Ok. Yeah. Ok. I appreciate it. That's all right, guys. Ça, there's a wasp nest up there too. D'accord. Ok. Celle-ci? Yeah. Okay. No. That one. I really like that one on top of the hill because I got to paint that one too sometimes. Ah, ok. Ok, ok. I appreciate it, guys. Excuse me. Sorry. Okay. Allez, on y va alors. Yeah. Thank you.
Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau? Alors, d'un côté. Moi, j'ai fait une tarte. Qui veut une part, les évadés? Regarde au présent. Une tarte. J'ai fait avec de la pâte à modeler. Allez, je la recolle. Mes amis. Et toi, ça avance? C'est masculin, ouais. Ouais, ça commence à ressembler à quelque chose. Ouais. On commence déjà à reconnaître. Tiens, est-ce que. Ouais, mais est-ce que ça vous dit quelque chose, les évadés? Déjà, ouais, ça devrait vous titiller un peu l'œil. Non, on dit rien. Ça veut de réfléchir. Mettez sur les commentaires. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Sloane? Sera dans le prochain épisode. Voilà. Il sculpte quoi là? On reconnaît déjà. Attends. Je pense que j'arriverai à le reconnaître, même si je le savais déjà d'avance. On verra. Dites-nous sur les commentaires. Et là, c'est les devoirs. Attends. Français. Attends. Parce qu'elle n'avait pas fait le français. Mais non. Elle avait fait que des maths. Bah oui. Coquine, hein. Ouais, elle aime pas le français. Ah. Attends. Tu veux montrer quoi? Qu'est-ce que tu voulais montrer aux évadés? Alors qu'est-ce que t'as fait toi? Oula, il y a un drôle de tête lui, dis donc. Oui, qu'est-ce c'est... que c'est? C'est une boule à manger vivante. Une boule à manger vivante, d'accord. Ah, moi petit appel à Ecoflo. Bonjour Ecoflo. On a acheté une super station. On a acheté une super station Delta, électrique Delta 2. La Delta 2. La Delta 2. Et là, vraiment, il nous faudrait les panneaux solaires qui vont avec. Ça nous aiderait bien. Ouais, on aurait ouais, ça serait bien. On aurait besoin des panneaux solaires pliables là, à 400 watts, là, ou je sais pas combien. Ça serait sympa. Parce que nous on en a besoin. Faut voilà. Arrêter d'envoyer aux gens qui l'ont déjà. Ouais. Nous là on en a vraiment besoin. Voilà. Merci beaucoup. Merci Ecoflo. Merci. Merci parce que allez. Vraiment, c'est on nickel. On se contacte. Hein. On se contacte. Allez. Un petit message. À bientôt. Oui. Des panneaux pliables. Des panneaux pliables. Hein. Parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Nous, on a voilà. Une remorque et un 4x4. Voilà. Donc, voilà, des panneaux pliables. Pour recharger la Delta 2. La Delta 2, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. À bientôt, à bientôt. Merci. Des panneaux pliables. Merci. À bientôt. Effectivement, c'était un grand lac. Ah, il était grand. Ah. Mais on ne voit pas le bout. Hein. Ah. Tu vois le bout de mon nez peut-être, mais ouais. Le bout du lac, hein. Ah. On ne voit pas. Allez, on continue la route. Allez, il y en a pour. 4h51. Ouais, pour combien de kilomètres? 488. Après l'Iowa, il n'y a même pas eu de Welcome Iowa. On arrive bientôt dans le Nebraska. On a très vite fait l'Iowa. Sans eau, cette fois-ci. Sans eau, on n'a pas d'eau. Ah, j'ai la ceinture qui s'enlève. C'est dangereux. C'est dangereux à faire, j'aurais pu mourir. Voilà. J'espère qu'il y aura de l'eau. Ça, Blue Valley Camping Area. Alors, comment ça marche ici? Dog. Oh, il est beau, ouais. Ouais. On peut le manger celui-là? Oui. T'es sûr? Oui. Bon, ça y est, nous voilà arrivés dans une aire cette fois-ci payante et moins bien que les autres. Ouais,
mais carrément moins bien. Payante, mais ouais, c'est pas génial. Il y a la route, il y a les moustiques comme tu veux. Ouais. Bon, il y a les lacs, il y a l'eau, ok, certes, il y a un petit air de jeu, mais sinon, voilà, on est sur du gravier, et bon, enfin, ça fait pas rêver. Oh. Après, oui, il y a l'eau, les lacs. Voilà. Les commodités, mais moi, je c'est normal que ce soit payant. Mais ouais. C'est 25$ pour les VR, donc camping-car, tout ça. Emplacement tente, c'est 10$. Nous, on a payé 10$. Parce que nous, on est des tentes. Nous, on est des tentes. Et puis, on ne consomme pas de courant parce qu'on est autonome. Ouais. Tandis que c'est sûr que comme cela, comme vous pouvez voir, eux, par contre, voilà, ils ont le congélateur, le frigo, ils ont tout branché sur la borne. Ils ont quoi ? J'en oublie, ils ont le lave-vaisselle, la machine à laver. Donc forcément, eux, c'est normal qu'ils payent un peu plus cher. Et nous, vu qu'on est autonome, donc on consomme rien quoi, on arrive, on a pris de l'eau, puis voilà. Ouais. Après c'est... Oui, si, ça va. Ça va, ouais. Mais c'est vrai que dans les trucs gratuits, on se sentait mieux quand même. Ouais, voilà. C'était plus joli quoi, bah, c'était plus nature. C'est parce que là on est à côté de la ville quoi. Et dans le calme. Voilà. Mais bon, ça le fait. Enfin non, petit point, au lac, pas d'hier, mais d'avant-hier, Waverly Lake, il y avait le train qui passait juste à côté. Ouais. Et la nuit, c'est pas génial quand il fait comme ça 50 fois. Ouais. On dirait qu'il voulait nous réveiller. Quoi. Voilà, mais non, on n'allait pas mettre 25$ parce qu'on ne se branche pas nous électriquement. Donc, puis nous, on est détente. Donc, puis 25$ la nuit. Je trouve que ça fait un peu cher par rapport à tous les bivouacs qu'on a fait, que c'était magnifique. C'est pour ça qu'on essaye de trouver des endroits gratuits. Quoi. C'est que là, j'ai pas trouvé là, entre le point de. Non, là, on n'avait pas trouvé. Là, on n'avait pas trouvé là. Et puis là, on a fait 5 heures de route. Ouais. Donc là, on est dans le Nebraska. On est parti du Missouri. On a fait vite fait de l'Iowa. Ah, ouais, là, là, ouais. On était hier dans le Missouri. Après, on a fait un peu d'Iowa. Et là, on est dans le Nebraska. Et demain, on va faire la route, mais on sera encore dans le Nebraska. Et demain, on sera encore dans le Nebraska. Oui, et demain, encore 4 heures de route, tu m'as dit. 4h12. 4h12 de route. Ben là, on se rapproche de l'ouest. Hein. Ben ça y est, là, demain je pense qu'on va voir le changement de paysage. C'est quand on arrive à l'ouest du ben coup. Ça y est là. Là on y est là déjà ? Ah demain ? Demain. Demain on sera à l'ouest des États-Unis. Ben là par rapport à ma carte, oui, ils disent que c'est après le Nebraska. C'est après le Nebraska. Ils disent qu'on est dans l'ouest américain. Après le Nebraska, apparemment on est dans l'ouest américain, voilà. Des États-Unis. Voilà. Donc, même si on a fait plus de la moitié de l'Amérique là. Oui. Du continent, enfin des États-Unis. D'ailleurs, il faut que j'envoie le lien, Polar Step. Qui oui. Trace notre chemin oui. Que je suis en train de faire. Et demain, on va faire du 4x4, là, vraiment. Oui, parce qu'on va dans le sable. Eh bien, impeccable. Comme ça va nous permettre d'essayer Dyson sur le sable. Sur le sable. On n'a pas encore essayé. Voilà. Donc, est-ce qu'on va pelleter ? Bah, apparemment, pour y aller à ce bivouac, c'est un ouais, chemin, c'est un chemin de... sablonneux. Ouais. Donc, on va voir. Il faut y aller qu'en 4x4. Voilà. Et nous, on va voir ce que ça donne avec la remorque. Et on va essayer ça. Voilà, comme ça, au moins, on va savoir... qui vaut notre petit Dyson dans le sable pour qu'on puisse aller se faire plein de bivouacs dans le sable ou sur la plage ou... Et là il nous tarde d'arriver dans l'ouest là, dans les coins un peu sympa, dans les paysages arides, bah là, déjà désertiques. Demain le bivouac il m'a l'air sympa et celui d'après demain aussi et ouais. Bah, celui d'après ouais. Je pense que ça va le faire maintenant. Voilà. C'est été devoir et puis repos là, oui là on a fait les devoirs, j'ai préparé le feu, j'ai mis les pierres autour. Tour. Les filles elles font de la pâte à modeler. Sloane, je sais pas où il est, il a disparu. Là, il va falloir s'y mettre aussi à décoller ses étiquettes. Allez. De la voiture. Oui, il faut qu'on décolle les étiquettes qu'ils nous, Dyson, qu'ils nous ont mis pour le shipping. On les a toujours pas enlevées. Ouais, toujours pas, ouais, pas le temps. J'ai fait un gâteau. Ouais. Un autre gâteau en un pâte gâteau à quoi modeler. Un gâteau au schtroumpf avec la vanille, c'est le bleu, et des Smarties avec le goût de la vanille. Et c'est sucré, c'est de la pâte. Et voilà. D'accord, ok, très bien. Mmh. Ah, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. C'est en pâte à modeler. Ouais. Et Sloane va vous montrer la jolie sculpture qu'il a faite. Alors, est-ce que vous avez déjà deviné ce que c'était ? Alors là, par contre, vous allez reconnaître parce qu'il a fini. Allez, je vous montre ça. Regardez-moi ça, les évadés. Alors, c'est sa première sculpture. Ouais. Sur, c'est comment ça s'appelle ? C'est quoi comme matière ? De la plasticine. Ouais, de la plasticine. Ah, moi, alors, est-ce que vous reconnaissez maintenant ? Bah, je suppose que oui. Alors, vous trouvez comment ? C'est nickel, hein ? Donc, c'est sa première sculpture.
Et c'est ce qu'il veut faire plus tard, justement. Il va être sculpteur sur bois. Donc, il commencerait l'apprentissage dans un an. Il a appris les outils qu'il lui fallait pour sculpter. Attends, Nana. Pour sculpter sur cette pâte et sur du bois, sur la même occasion. Pour une première sculpture, mais c'est plutôt bien fait, moi je dis. Impeccable. C'est à peu près, non ? Non, ça va. Et par la même occasion, on veut dire au revoir. Je pense que la vidéo va se terminer là. À chaque fois. Aurélie, elle est pas au courant. Hein. Non, je vois les vidéos une fois que c'est sorti. Moi, je suis comme vous. Hein. C'est de l'impro. Hein. Moi, je suis comme vous. Voilà. Rien. Allez, on vous dit à très bientôt, à la prochaine vidéo. Et puis là, on vous montre tout ça. Allez, go. Allez, ciao, ciao. Rectification, on s'est trompé. Voilà, on s'est mis en fait sur l'emplacement des VR, donc des véhicules récréatifs, donc où il y a l'électricité. Mais les emplacements tentes, en fait, c'est tout le reste là. Et on l'a vu parce que en marchant là, j'ai vu des tout petits panneaux écrits tente area. Et il y en a vraiment pas beaucoup en plus, ces petits panneaux. Alors j'avais pas trop compris, je me suis dit est-ce que c'est un parc que les gens aussi viennent la journée. Mais non, en fait, hein, c'est vraiment tout le parc là, c'est pour les emplacements tentes et. Voilà. Une carte, tout ça. Oui, en fait, tout l'espace vert, c'est vraiment. Pour se poser avec les tentes, en fait. Que pour les tentes. Donc, effectivement, voilà, on aurait pu se poser ici. Regardez, vous avez tout cet espace. Voilà, pour les tentes. C'est alors, nous, on était passé à côté. On s'est dit, oh, ben, ça ne doit pas être ici. Ça doit être là-bas, au parking, là où on paye et là où il y a les bornes d'électricité et tout ça. Et puis il y avait déjà une caravane, donc on s'est dit bon, ben, ça doit être que là et pas ici. Donc on vient juste de le remarquer, c'est pour ça qu'on a voulu faire cette petite correction. Après ici on entend plus les voitures. Oui, on entend plus les voitures, parce qu'il y a la route, oui, là, tout le long. Finalement l'air est pas si mal que ça, pour les tentes à 10 dollars. Ça va, mais bon, nous on va rester là-bas. C'est juste pour une nuit, demain on repart. Ouais. Allez, cette fois-ci c'est bon, on vous laisse, allez, bisous, bisous. Ciao, ciao. Ah oui, alors attendez, parce que les filles, elles veulent vous dire... Attends, je bavais tout, là. Alors attendez, parce que les filles, elles veulent vous dire au revoir aussi. Donc, voilà. Je vous les passe. Regardez sur les balançoires des bébés. Ouais. Au revoir. Ouais. Ouais. C'est tout ? C'est trop bien. Vous dites au revoir aux évadés ? Ouais.